Hello guys, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, nous allons voir les masques de fusion. Ok, la dernière fois, nous avons vu comment fonctionnent les calques et nous avons vu comment fonctionne l'outil pinceau. Donc, ce sont deux notions que nous allons utiliser pour voir maintenant comment fonctionnent les masques de fusion. Donc, s'il vous plaît, si vous n'aviez pas bien compris ces deux notions, allez revoir les capsules précédentes et revenez nous rejoindre. Alors, allons sur mon ordi et je vous montre comment fonctionnent les masques de fusion. Alors, nous allons ouvrir Photoshop et rappelez-vous que nous avons eu à télécharger 4 images lors de la capsule parlant des calques, l'image A, B, C, D. Ben, si vous ne l'aviez pas toujours, j'ai quand même le lien en bas dans la description que vous pouvez toujours utiliser pour télécharger. Donc, nous irons les ouvrir dans Photoshop. Donc, pour le faire, allez dans Fichier. Nous allons dans Script parce que là, nous avons plusieurs images à télécharger en même temps. Nous allons choisir Chargement des fichiers dans une pile. Nous allons faire parcourir et nous aurons cherché les fichiers ABCD, les images ABCD. Donc, je sélectionne tout et je fais OK. Ensuite, je fais OK. Donc là, vous voyez au niveau des calques, nous avons, comme on avait vu, les 4 différentes images. Et vous saviez très bien que l'image qui se trouve au-dessus de la pile est bien évidemment l'image qui est affichée. Donc si par exemple, vous voulez afficher l'image B, il suffit de masquer complètement l'image A en désélectionnant le petit œil ici. Et vous voyez, nous venons d'afficher l'image B comme nous avions vu dans les capsules précédentes. Alors, comment les masques de fusion fonctionnent? Si par exemple, vous aviez envie de ne pas désactiver complètement l'image, c'est-à-dire que vous avez envie de masquer une partie de l'image, cela peut se faire avec les masques de fusion. Okay. Donc, j'ai fait un tout petit exemple, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer un peu en détail comment ça fonctionne. Donc, si par exemple, je mets un masque de fusion juste à côté de l'image A et que j'essaye de cacher une partie de l'image, donc je vais augmenter la taille de mon pinceau. Donc, je cache une partie et vous voyez ce qui se passe. Nous avons affiché une partie de l'image B. Donc, c'est comme si nous avions fait en quelque sorte un trou dans l'image A qui permet à Photoshop d'aller maintenant lire ce qui se trouve en dessous de l'image A. Donc, c'est un peu comme ça que va fonctionner les masques de fusion, c'est que nous aurons la possibilité de masquer juste des éléments d'une image, contrairement à ce qu'on faisait au début en désactivant complètement le calque. Donc, je vais revenir au début parce que vous n'aviez pas sûrement compris comment j'ai procédé, c'est tout à fait normal. Alors, le masque de fusion, généralement, comme vous l'aviez vu tout à l'heure, va se placer juste à côté du calque. Okay. Donc, ce que nous allons faire, nous allons essayer d'ajouter un masque de fusion sur l'image A. Donc, pour ajouter un masque de fusion, nous avons deux manières. Essentiellement, je peux faire... déjà, assurez-vous que le calque est bien sélectionné. Donc, ici, c'est le calque A, donc l'image A que nous voulions ajouter un masque de fusion. Donc, vous irez dans... calque, ok, et vous allez voir ici max de fusion. Donc dans max de fusion, vous avez l'option tout apparaître ou tout masquer. Si je fais tout apparaître, vous allez voir que juste à droite de mon calque, nous avons un autre petit calque ici qui est tout blanc, d'accord. Donc ce que vous voyez ici, c'est le masque de fusion. Ok, c'est ce masque qui va nous permettre d'afficher quelques parties de l'image B, c'est-à-dire de masquer quelques parties de l'image A. Actuellement, il n'a aucun effet parce que effectivement, il est tout blanc. Et ça, c'est une notion très importante que vous devez savoir, c'est que lorsque le masque de fusion est tout blanc, il agit exactement comme un élément transparent, c'est-à-dire qu'il n'a aucun effet sur le calque. Par contre, si ce masque de fusion est noir, il va agir comme un bloqueur, c'est-à-dire qu'il va agir comme un objet qui va masquer les éléments du calque A. Je vais revenir en arrière et je vais vous montrer comment créer un masque de fusion noir. Donc, on va refaire la même chose. On ira dans calque, on ira dans masque de fusion et nous allons choisir tout masquer. Vous allez voir qu'à la différence de la première méthode, nous avons le masque de fusion qui est complètement noir. Et vous venez de remarquer que l'image B vient de s'afficher. C'est tout à fait normal parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure,
Le masque blanc, lui, il va être transparent, c'est-à-dire qu'il va laisser le calque A tel qu'il est. Par contre, s'il est noir, complètement noir, c'est-à-dire qu'il cache en fait tous les éléments du calque A. Donc, étant donné que nous n'avons plus le calque A qui est affiché, qu'est-ce que nous allons voir plus tard? Plus tard, bien sûr, nous allons voir le calque BK, comme on vous a dit dans la capsule précédente, Photoshop va lire du haut vers le bas. Maintenant vient la partie qui est très intéressante, c'est la partie où on peut, au lieu de masquer tout l'élément de A, on peut essayer de masquer juste, on va dire, une petite partie. D'accord? Donc je vais encore revenir. Mais avant, je vais vous montrer comment créer un masque de fusion aussi de la seconde manière. Donc la première, n'oubliez pas, c'est dans Calque, vous venez dans Masque de fusion et vous choisissez soit faire tout apparaître ou faire tout masquer. Vous pouvez aussi cliquer juste ici. Ok, ça c'est un masque de fusion. Lorsque vous allez cliquer, vous voyez juste à côté du calque A, vous avez le masque de fusion qui est tout blanc, c'est-à-dire qui est transparent. Et si vous voulez faire comme tout disparaître, comme dans notre cas nous avons fait tout à l'heure, il suffit de, au lieu de cliquer directement sur l'icône ici, vous allez d'abord maintenir la touche Alt de votre clavier et vous allez cliquer cette fois-ci. Et vous voyez, nous venons d'avoir un masque de fusion tout noir qui a pour effet justement de masquer tous les éléments du calque A. Donc voilà comment on crée les masques de fusion de deux manières. On va revenir encore, CTRL Z. Et là, je vais vous montrer maintenant qu'on peut appliquer le masque de fusion à des parties spécifiques du calque, c'est-à-dire on n'aura pas totalement du blanc et nous n'aurions pas aussi totalement du noir. Mais nous aurions des zones que nous aurions envie de cacher et laisser d'autres visibles. Donc pour ce faire, d'abord je vais créer un calque visible, ok, et transparent. Donc je vais cliquer ici. Donc voilà, nous venons de créer un masque de fusion tout blanc, donc qui est transparent, donc ça n'a aucun effet. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons utiliser l'outil pinceau. Donc c'est l'outil pinceau qui va nous permettre ici d'appliquer justement le masque à des zones spécifiques de notre image. Il est très important qu'ici, à cette zone ici, ces deux petits carrés soient blanc et noir. Donc si vous n'avez pas cette configuration blanc et noir, appuyez juste sur la touche D de votre clavier, d'accord? Donc vous aurez cette configuration noir et blanc. Et pour intervertir entre les deux, appuyez juste sur la touche X de votre clavier. Cela veut dire que vous allez choisir soit la partie noire, c'est la partie qui va masquer votre image, et la partie blanche, la partie qui va le rendre transparent. Donc nous, comme nous avons déjà tout notre masque transparent, nous allons essayer d'appliquer des parties noires à des zones spécifiques de notre image. Donc là, je vais m'assurer qu'en avant, c'est-à-dire dans cette configuration, j'ai le noir. Donc il faut juste appuyer sur la touche X de votre clavier. Et là, j'ai en avant-plan la couleur noire, donc très important. Et là, vous allez voir qu'avec mon outil pinceau, si j'essaye de dessiner, par exemple, sur le A, comme ceci. Ok, là, je maintiens ma souris, j'essaye de dessiner un peu. Vous venez de voir que j'ai créé, comme je vous l'avais montré tout à l'heure, un trou sur l'image A. Donc, ce trou-là va nous permettre, en fait, de lire ce qui est juste en dessous de notre image A, qui est bien évidemment notre image B. Et vous allez remarquer sur le masque, okay, de fusion, vous allez voir une toute petite tache noire. Okay. C'est ça qui montre en fait que nous avons créé un petit trou, okay, qui laisse Photoshop, okay, voir à travers ce masque, okay, pour lire l'image B. Okay. Donc faites, imaginez juste que vous aviez un mur devant vous et vous n'arrivez pas à voir dans une pièce. Okay. Et lorsque vous essayez de faire un trou dans le mur, vous pouvez regarder par ce trou pour voir tout ce qui est dans la pièce. Mais étant donné que le trou est petit, vous avez un champ réduit, donc vous ne pouvez pas voir tout ce qui se passe dans la pièce. Donc c'est un peu comme ça que fonctionne le masque de fusion. C'est que ça va nous permettre de masquer des éléments pour voir un peu plus loin, mais pas forcément masquer tout le calque. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser par exemple l'outil pinceau pour masquer tout. Donc il suffit de peindre sur tous les compartiments de l'image comme je fais actuellement. Voilà, donc je peins partout. Et vous voyez clairement que là, nous venons de voir l'image B de façon intégrale. Et vous allez voir sur le calque, ok, le calque A ici, que le masque de fusion qui est juste à côté
est totalement noir. Donc clairement, nous avons masqué tous les éléments de l'image A, c'est-à-dire toute image en question, ce qui nous permet de voir des éléments de l'image B. Donc voilà un peu comment fonctionnent les masques de fusion. Okay. Si par exemple je veux masquer des parties de l'image B, je vais créer un masque de fusion pour l'image B aussi. Donc pour le créer, il faut que je sélectionne dans un premier temps le calque B ici. Ensuite, j'ajoute un masque de fusion en cliquant sur l'icône en bas. Là, nous avions quelque chose de transparent. Donc si nous voulons masquer des éléments, nous allons utiliser notre outil pinceau. S'assurer bien que le noir est en avant-plan parce que c'est le noir qui va masquer des éléments du calque B. Et là, en essayant de peindre, vous voyez clairement que nous venons d'afficher des éléments de l'image C. C'est tout à fait normal parce que nous avons, entre guillemets, fait un trou dans l'image B, ce qui nous permet de voir ce qui se passe juste en bas, donc de voir une partie de l'image C. Autre chose qui est assez intéressante dans les masques, c'est que justement lorsque vous créez des trous, vous pouvez aussi les boucher. Okay. Pour le faire, il faut juste cette fois-ci être sûr qu'à ce niveau, nous avons la partie blanche qui est en avant-plan. Donc, appuyez sur la touche X de votre clavier. Et là, lorsque je vais peindre, je vais juste effacer le masque que j'avais eu à mettre sur l'image B. Donc, vous allez voir que juste au niveau du masque, à côté du calque B ici, vous voyez clairement que nous n'avions plus de taches noires, donc nous avons remis la transparence que nous avions fait au début. Donc c'est quelque chose qui est assez cool. Lorsque peut-être vous faites des erreurs, vous pouvez quand même revenir en arrière en essayant d'alterner justement la couleur noire et la couleur blanche. Donc je vais supprimer le masque. Donc pour le supprimer, il suffit de cliquer sur le masque. En maintenant votre clic, vous allez tranquillement le diriger vers la corbeille juste en bas ici. Après, on va vous demander si vous voulez vraiment supprimer. Vous faites oui, supprimer. Là, vous n'aviez plus le masque. Maintenant, je vais vous montrer quelques propriétés du masque qui est assez intéressant. Donc, la première, c'est si vous voulez, nous avons dit intervertir, c'est-à-dire si vous voulez trouver l'opposé du noir, c'est le blanc. Mais si vous vouliez comme trouver l'inverse du masque, vous pouvez appuyer sur la touche CTRL plus I. Donc là, nous avons un masque avec une couleur complètement noire. Donc si je fais CTRL I, vous voyez, nous venons d'avoir le masque qui est tout blanc. Ce qui fait que nous revoyons notre image A. C'est tout à fait normal parce que là, le masque est transparent. Je vais vous montrer un peu plus comment fonctionne le CTRL plus I si j'essaie d'essayer de masquer une petite partie de l'image. Donc je m'assure que ici, j'ai le noir en avant-plan. Donc voilà, c'est fait. Et là, nous allons essayer de masquer l'image A juste à ce niveau. Donc, nous voyons l'image B. Mais si par contre, je fais un CTRL I, okay, sur le calque qui a été appliqué à l'image A, vous voyez que nous venons d'intervertir, c'est-à-dire que les parties blanches sont devenues noires et les parties noires sont devenues blanches. Okay. Donc, ça, c'est une manière de trouver l'inverse du masque. Okay. Donc, si je fais CTRL I, attardez-vous sur la configuration du masque et vous allez voir que ça ne fait que essayer d'afficher l'opposé. Donc CTRL I, vous voyez, donc, la partie blanche devient noire, la partie noire devient blanche. Okay. Bon, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qui est très important aussi. Autre chose, lorsque vous allez appuyer Alt, okay, plus clic sur le masque, vous pouvez voir l'effet du masque. C'est-à-dire que vous allez voir ce que vous voyez en miniature ici. Vous allez le voir complètement sur la zone de travail de Photoshop. Donc cela vous permet de voir de façon claire à quoi ressemble le masque que vous avez appliqué sur l'image A. D'accord? Si je fais un CTRL I par exemple, c'est-à-dire pour inverser le masque, vous voyez clairement que la partie qui était blanche est devenue noire et la partie noire est devenue blanche. Donc si je fais CTRL I de façon continue, vous voyez que nous avons juste l'opposé. Okay? Donc c'est une manière d'inverser le masque. Ok. Donc, si vous voulez revenir sur l'image, il suffit de cliquer sur le calque, comme ceci. Et là, vous aviez le calque habituel. Mais si vous voulez vraiment voir le masque, vous voulez vraiment l'afficher sur la zone de travail, c'est Alt plus clic. Une fois que vous avez vu à quoi ressemble votre masque, vous pouvez revenir sur l'image en cliquant juste sur le calque, c'est-à-dire l'image, la miniature qui est juste à côté du masque de fusion.
Donc pourquoi on va vouloir afficher le calque comme ça? Pourtant, nous le voyons dans la miniature juste en bas ici. Okay. C'est parce qu'en fait, là, nous avons vraiment quelque chose d'assez simple, mais il va arriver peut-être dans les retouches que vous allez appliquer des modifications assez minutieuses, assez microscopiques, et vous n'auriez pas vraiment l'occasion de voir les différents schémas que vous auriez appliqués sur le max de fusion. Donc il est très important de savoir qu'il est aussi possible d'afficher uniquement le masque de fusion sur la zone de travail. Autre chose, il est aussi très important de connaître les propriétés du masque. Donc pour connaître les propriétés du masque, vous devez double-cliquer sur le masque. Okay. Faites attention, soyez sûr que c'est le masque qui est sélectionné, mais pas le calque, le masque juste ici. Si c'est pour la première fois que vous essayez de double-cliquer sur le masque, Photoshop va vous proposer deux choix. C'est-à-dire le premier, il va essayer de vous demander est-ce que vous voulez lancer la commande de sélectionner masquer ou si vous voulez juste ouvrir les propriétés du masque. Donc si vous avez ce choix de question, choisissez juste ce que vous aviez envie d'utiliser les propriétés du masque. Autre chose, vous pouvez trouver aussi les propriétés du masque en allant sur fenêtre et vous allez voir propriétés. C'est où? Voilà, juste ici propriétés. Avant d'appliquer ceci, soyez sûr que le masque est sélectionné. Donc moi, je vais double-cliquer. Voilà. Et vous voyez ici, par exemple, moi, je suis tombé sur la sélection. Sélection masquée, c'est pas ce qu'on veut. Donc si vous l'aviez, c'est que sûrement la première fois que vous aviez eu la question, vous avez choisi lancer la commande sélectionner masqué. OK. Donc moi, ce que je vais faire, si vous êtes dans mon cas, par contre, vous allez aller sur fenêtre et vous allez choisir juste propriété. Donc vous voyez ici, nous avons la fenêtre de propriété qui vient d'afficher, ok. Nous n'allons pas aller trop dans les détails, mais nous allons voir essentiellement la partie densité et la partie contour progressif. Okay. Donc lorsque vous regardez le masque de fusion qui est appliqué sur l'image A, vous voyez clairement que les contours sont progressifs, c'est-à-dire que entre le rouge et le vert, ok, il n'y a pas une dégradation, il y a une cassure très très clair. Mais si par exemple j'essaie d'augmenter le contour progressif, on va faire ça très doucement parce que là c'était un peu rapide. Voilà, vous allez voir que les bords deviennent flous, c'est-à-dire que nous avons un dégradé assez continu, une transition plus fluide qui nous mène de l'image A vers l'image B, donc le contour est plus progressif. Okay. Donc ça, vous pouvez le changer à votre guise. Si par exemple, vous ne voulez pas utiliser un truc assez rugueux comme ceci, vous pouvez ajouter un petit contour progressif. OK, donc très important de le savoir. On va voir en cas pratique à quoi ça peut servir. Et ici, nous avons la densité. Okay. La densité, qu'est-ce que la densité va faire? Vous voyez que nous avons la partie noire qui cache. Voilà pourquoi à l'extérieur ici, nous avons une partie de l'image B que nous voyons, c'est parce que nous avons caché une grosse partie de l'image A. OK. Par contre, si je diminue la densité, vous allez voir que je suis en train de diminuer un peu le noir que nous avons sur le masque. Donc, si vous voyez bien, le masque n'est plus, la partie noire n'est plus totalement, pardon, la partie noire n'est plus totalement noire. OK. Donc, c'est ce que va faire la densité. La densité va essayer de diminuer en fait l'opacité du noir, du calque. Donc, vous n'allez pas masquer totalement, mais vous allez masquer de façon partielle. Donc, c'est comme ça fonctionnent les propriétés du masque. Alors, donc, nous revenons à notre exemple où nous avons les quatre calques qui sont ici. Donc, vous voyez juste l'image A parce que c'est l'image qui est au-dessus. Donc, si j'enlève, vous allez voir, nous avons le calque B, d'accord? Nous avons le calque C. Et enfin, juste en bas, nous avons le calque D. OK. Donc, tous les calques sont superposés. OK. Donc, je vais les resuperposer. Et voilà, là, nous avons tous les calques qui sont superposés. Alors, là, nous allons essayer d'appliquer, comme nous avons vu tout à l'heure, un masque de fusion. D'accord. Donc, le masque de fusion, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons l'appliquer sur une portion de l'image A. Donc, la partie noire que vous voyez, OK, c'est la partie où nous allons appliquer notre masque. Donc, je vais prendre l'image A, par exemple, et je vais me faire un petit trou, OK?
Donc, ce sera l'équivalent de notre tache noire que nous avons sur le masque. Donc, je vais faire un petit trou rapidement avec mon ciseau, ça ne va pas être long. Là, vous voyez, je fais de faire un petit trou, ok? Et je vais poser le calque juste au-dessus. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que Photoshop, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire sa lecture du haut vers le bas. Étant donné qu'il y a un petit trou ici, il va bien évidemment lire le calque A. Mais étant donné que nous avons appliqué un masque à un endroit spécifique ici, mais étant donné qu'il n'y a plus rien, c'est noir, il va continuer sa lecture et il va lire une partie du calque qui est en dessous, qui est le calque B. Mais il va lire juste une partie parce que nous avons appliqué un masque juste à un élément spécifique de notre image. Ok? Donc, c'est comme ça fonctionne les masques de fusion. Vous pouvez le mettre sur des endroits spécifiques de votre image afin que Photoshop aille lire ce qui suit. Si par exemple, je rends le calque B invisible, c'est-à-dire je l'enlève, ce qui va se passer, c'est qu'il va toujours lire la partie visible du calque A, donc la partie en rouge, et il va continuer sa lecture étant donné que nous avons la possibilité de lire à travers le trou que nous avons créé sur notre calque A. Étant donné que le calque B est invisible, qu'est-ce que nous allons voir après? C'est bien évidemment une partie du calque C, mais pas tout le calque C parce que justement le masque que nous avons créé au niveau du calque A nous donne un champ réduit pour pouvoir lire toute la suite des différents éléments qui se trouvent en dessous des calques inférieurs. Donc voilà un peu comment fonctionnent les masques de fusion. Donc voilà de manière très générale comment fonctionnent les masques de fusion. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, n'oubliez pas de les écrire en commentaire ou d'aller dans le groupe pour partager avec des personnes du groupe. Mais si vous avez des questions un peu plus spécifiques, n'hésitez pas à m'écrire un email et je me ferai un plaisir de vous répondre. Sur ce, moi je vous laisse. Thank you.